Pour cette veillée du dimanche 6 décembre, au temple du Bouclier à Strasbourg. De tradition, cette veillée est celle du cœur de l'Église réformée du Bouclier, et cette année particulière, le cœur n'a pas pu préparer cette veillée, mais nous sommes heureux de vous offrir, comme de tradition, une veillée de musique et de chant et de textes autour de Noël. Vous qui aimez la musique, particulièrement ces musiques autour de la naissance, ces musiques et ces traditions qui appartiennent à notre histoire et qui viennent donner sens et saveur à nos vies. Car jouer de la musique, chanter, ce n'est pas seulement un plaisir, un bonheur, une beauté, c'est aussi s'approprier une partition, un poème et l'interpréter, l'habiter, le faire sien, le recréer, lui donner de la vie, de la saveur, de la couleur et l'offrir, le partager. Et c'est aussi communier ensemble autour de l'art, de la beauté et de l'humain. Écouter une musique, interpréter une musique, c'est aussi alors une parole. Une parole pour notre monde, dans notre monde, sur notre monde. Une parole qui peut être contestation contre tout ce qui défigure l'humain, mais c'est aussi un acte de vie collective, d'écoute, de partage, de diversité, d'accord et d'harmonie, d'édification jusque dans les dissonances et les différences. Nous écoutons de l'oratorio de Noël de Bach, l'air qui dit « Je ne veux vivre que pour t'honorer, pour donner reconnaissance, joie, bonheur et beauté. » Thank you.
De Marc, au chapitre 1, à partir du verset 1, le début du commencement. Marc écrit « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. » Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert, il baptisait et proclamait « Changez de vie !» Quelqu'un qui est plus grand que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Amen. Des cieux, vers nous, s'avance un merveilleux vaisseau. Nous chantons ce cantique de la vie. Au commencement, ainsi commence l'évangile de Marc, comme dans l'évangile de Jean, comme dans la Genèse, au commencement. Et le commencement d'une vie, c'est souvent ce cri, ce chant d'un nouveau-né, et bien souvent aussi la tendresse, la présence, la berceuse, paisible, posée, calme. Nous écoutons la grille au berceau, une berceuse.
Un enfant plus beau que Fleurelys, mais qu'il aille près du feu, il se réchauffera. Car sur cette terre, ça manque de tendresse. Voici un Noël espagnol de la région de Cordoue qui raconte cet enfant. Un enfant qui a besoin de chaleur dans un monde qui manque de chaleur et de tendresse. Voici le chant. Un enfant nous est né, uns ist ein Kind geboren. Dans la tradition de Bach, nous écoutons cette aria d'une louange chantée à l'enfant, à côté de l'enfant, pour l'enfant, et cela est plaisant. Thank you.
Ainsi, dans bien des langues, dans bien des pays, un chant, une musique accompagne la naissance, celle de Jésus et de tout enfant. C'est du moins ce que l'on souhaite. On chante parce que la musique et le chant transmettent tellement de profondeur, de vérité, de tendresse, d'amour, dans toutes les langues. Voici maintenant en hongrois. Dans la tradition, après la longue attente, après le rude hiver, la nouvelle éclatante ébranle l'univers, le Messie va paraître.
Avant de vous inviter à un temps de prière, je tiens à exprimer notre reconnaissance aux musiciens qui ont préparé cette veillée d'avant. Merci à Christian Lorenz, ténor. Merci à Françoise Marcon, violon. Stéphanie Séclair à l'alto. Christian Séclair à la flûte et au piano. Bruno Séclair au violoncelle. Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont venus chanter et à l'équipe technique qui permet la réalisation de cette veillée. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, rends-nous attentifs à notre monde et à ses cacophonies, aux dissonances de la vie, mais rends-nous aussi réceptifs aux harmonies de notre monde. Aide-nous à mieux nous réjouir et sourire. Ouvre nos oreilles à la mélodie de la vie, si fine mais si tenace, si exigeante et si joyeuse. Donne-nous de reconnaître ta parole dans les silences, dans un regard, mais aussi dans les colères, dans les révoltes, dans les discours de conviction, dans les sourires de la confiance. Donne-nous de reconnaître ta parole dans les cantates de Bach, les messes de Mozart, les polyphonies des maîtres de la Renaissance et des temps modernes, les chants de toutes les langues, le grésillement des guitares, le rythme des percussions, le bourdonnement d'un insecte, le bruissement du vent, la chanson de l'enfant, la berceuse du père et de la mère auprès de son enfant. Nous déposons devant toi nos paroles et nos silences afin que tu les nourrisses par ta présence. Nous déposons devant toi nos musiques et nos chants afin qu'ils entrent en résonance avec notre monde. Et toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Es ist ein Rose entsprungen, d'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe. Thank you.
Bonne route, bonne suite, bénédiction. Avec tout ce que vous avez reçu en parole, en musique, en chant, en silence, en émotion, et qui nous parle de Dieu, du monde et de nous. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur, et que la paix du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre dans vos vies de la beauté, de la tendresse, de la confiance, de l'engagement. Amen. Thank you.